السادة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الجادية نحييكم وننقل إلى حضراتكم حيثيات المؤتمر الرابع لحكام الولايات الذي تجري حيثياته بمدينة البشي حضرة ولاية والداي، حيث أن المؤتمر بدأت أعماله يوم أمس بافتتاح من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وسيختتمه أيضا رئيس الجمهورية. وتشاهدون على شاشاتكم وصول رئيس الجمهورية الذي سوف يختتم أعمال هذا المؤتمر الرابع لحكام الولايات، الذي تناول العديد من الرهانات والتحديات الأمنية الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه الأقاليم. السادة المشاهدين، ترون على شاشاتكم وصول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث استقبله وزير إدارة الأراضي. وبعد قليل سوف تختتم أعمال المؤتمر الرابع لحكام الأقاليم. ونذكر مشاهدينا بأن حيثيات هذا المؤتمر قد استمرت الليلة البارحة حتى الساعة 12، حيث أن حكام الأقاليم قد قدموا العديد من الخطابات، وكل والي ولاية قدم المشاكل التي تعاني منها ولايته، وطرح العديد، حيث أن الاجتماع كان مؤتمرا فيه نقاش حر، وسيخرج ببعض التوصيات التي سوف تعتمد إن شاء الله وتأتي بحلول للبلاد. Tijani, vous l'avez dit, la cérémonie de clôture prévoit la lecture de la synthèse générale de travaux, la lecture des recommandations et des résolutions, un mot de remerciement et enfin le discours de clôture du président de la République. Vous l'avez dit, je le répète encore, que le chef de l'État était clair hier dans son discours que toutes les recommandations qui seront issues de ces travaux seront immédiatement exécutées. Donc il n'y a pas de crainte par rapport à cela. Je crois que le chef de l'État est déjà dans la salle. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de l'UNAMA, nous attendons d'un moment à l'autre le service censé nous présenter le programme de cette cérémonie. Et je me répète encore que cette cérémonie sera marquée par plusieurs actes. La lecture de la synthèse générale de travaux, la lecture des recommandations et des résolutions, un mot de remerciement et enfin le discours de clôture qui sera prononcé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dans la salle, tout est fin prêt et nous attendons de moment à l'autre le début de cette cérémonie de clôture de travaux de la 4e conférence des gouverneurs. Tidiane, vous l'avez également dit, que tous les gouverneurs ont eu la possibilité de prendre la parole, d'intervenir, de dire ce qui va dans leur province respective, mais aussi de rappeler les insuffisances et le manquement constatés ça et là. Un nombre important de membres du gouvernement ont intervenu également à travers un programme détaillé et précis et des thématiques. Mesdames et messieurs, les membres du cabinet du président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs les députés, monsieur le gouverneur de la province du Wadaï, mesdames et messieurs le gouverneur de région, autorités administratives, militaires, politique, coutumière et religieuse. Distingués invités, en vora, grade et qualité. Sous le patronage de son Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie marque la clôture de la 4e édition de la conférence des gouverneurs des provinces du Tchad, organisée à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï du 3 au 4 octobre 2019 sous le thème « Ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses, enjeux et nouveaux défis ». Mesdames et messieurs, distingués invités, voici comment se présente le programme de notre cérémonie. D'abord, une recommandation qui sera lue par Dr Hawa Othman Diame, gouverneur de la province de Hajar Lamis. En deuxième position, une résolution qui sera lue par M. Kaidela Younous Hamid, gouverneur de la province de Sila.
En troisième position, une motion de recommandation qui sera lue par une motion de remerciement qui sera lue par Sa Majesté Bang Haji Woli, Sultan du Bagrimi. Et après cela, nous allons suivre la signature d'une note circulaire qui sera contresignée par trois ministres. Et après la signature de cette note circulaire, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous prononcer le discours de clôture de la quatrième conférence. السيدات والسادة برعاية سامية من صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة هذا الحفل يتعلق باختتام الدورة الرابعة لمؤتمر حكام الولايات بتشاد والذي عقد في مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي في الفترة ما بين 3 إلى 4 أكتوبر 2019 تحت موضوع النظام العام الأمن حماية الأشخاص والممتلكات مراقبة الإيرادات تنظيم المصروفات الرهانات والتحديات الجديدة وبهذه المناسبة نقدم إليكم ملخصا للبرنامج والذي يتكون من الآتي أولا نستمع إلى توصية من حاكم ولاية حجر لميس الدكتورة حواء عثمان جامع بعدها نستمع إلى قرار يقدمه لنا السيد كيدل يونس حامد حاكم ولاية سلا وبعد ذلك نستمع إلى مذكرة شكر يقدمها صاحب الجلالة سلطان باقرمي بن هاجي ولي وبعده نشهد توقيع مذكرة يوقعها ثلاثة من الوزراء وبعد ذلك نستمع إلى خطاب الاختتام من صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو Sans plus tarder, nous invitons Dr. Hawa Othman Yame pour la lecture des recommandations. Recommandation. Considérant que l'État et l'ensemble des institutions de la République, considérant que le président de la République est le garant de la souveraineté nationale, de la paix et de la sécurité du pays, considérant que les autorités administratives sont les dépositaires des pouvoirs publics, représentant le président de la République, chef du gouvernement, considérant la persistance de conflits intercommunautaires dans nos provinces, lesquels mettent en mal la cohésion sociale et l'unité nationale, considérant que la paix, la sécurité et la cohésion nationale conditionnent le développement, considérant l'insuffisance des crédits alloués au fonctionnement des unités administratives, considérant la suspension des fonds de sécurité antérieurement mis à la disposition à l'initiative propre de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, considérant le manque des infrastructures dans toutes les unités administratives et ce, malgré les efforts colossaux consentis, considérant l'interdiction des réquisitions et ce, en dépit des dispositions du décret numéro 154, considérant le manque criard de moyens roulants dans toutes les unités administratives, considérant le sous-effectif des éléments des forces de défense et de sécurité et des moyens roulants et matériels de maintien de l'ordre, nous, participant à la quatrième édition de la conférence de gouverneurs des provinces sur le thème principal, enjeux administratifs, sécuritaires, financiers, sociaux, nouveaux défis territoriaux, organisés par le ministère de l'administration du territoire
et des collectivités territoriales décentralisées sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé chef suprême des armées, tenu du 3 au 4 octobre 2019 à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Recommandons ce qui suit: le respect des institutions de la République par les citoyens, le maintien des mesures prises et envisager d'autres si nécessaire en vue de garantir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans notre cher pays. L'augmentation substantielle des crédits de fonctionnement alloués aux chefs des unités administratives, le rétablissement des fonds de sécurité conformément au terme du message numéro 23 PR 2018 du 9 mai 2018, la réhabilitation et ou la construction des infrastructures dans toutes les unités administratives, la dotation de toutes les unités administratives en moyens roulants leur permettant d'assurer correctement leurs missions, le renforcement des unités des forces de défense et de sécurité en personnel, moyens roulants et matériel de maintien de l'ordre. Fait ici, dans la ville calme d'Abéché, le 4 octobre 2019, les participants... Merci pour docteur Hawa Othman Diame. Merci. Merci, merci. Shukran lil mar'a al hadidiya Hawa Othman Diame. Nous invitons à présent le gouverneur Kaidala Younis Hamid, gouverneur de Sila, pour la lecture de la résolution. Résolution. Nous, participants à la 4e édition de la conférence des gouverneurs de province sur les thèmes principaux, enjeux administratifs, sécuritaires, financiers, sociaux, nouveaux défis territoriaux, organisé par le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême de l'administration, tenu du 3 au 4 octobre 2019 à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï, sommes résolus à renouveler notre total et constant engagement aux côtés du chef de l'État, chef du gouvernement, dans le combat et la lutte qu'il mène inlassablement pour faire du Tchad un pays où règne la paix et la sécurité, tourner résolument
vers son développement. Traduire dans les faits toutes les instructions et orientations de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême de l'administration, par la mise en œuvre effective des mesures édictées tendant à garantir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans notre cher et beau pays, le Tchad, engager toutes les actions susceptibles de contribuer à optimiser les recettes dans nos provinces respectives et à respecter scrupuleusement toutes les procédures et directives en matière de gestion des ressources dans le respect de l'orthodoxie. Faites à Abéché le 4 octobre 2019 les participants. Merci pour le gouverneur de la province du Sila. Nous invitons à présent Sa Majesté le Sultan d'Ibagirmi, Banghadi Wali, pour la lecture de motion de remerciement. Motion de remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême des chefferies traditionnelles, garant de la Constitution du Tchad, l'enfant béni du Tchad, figure du peuple africain. Nous, participants à la 4e édition de la conférence des gouverneurs des provinces sur le thème principal, enjeux administratifs, sécuritaires, financiers, sociaux, nouveaux défis territoriaux, organisés par le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées sous le haut patronage de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême de la chefferie traditionnelle, garant de la constitution du Tchad, figure du peuple africain, tenu du 3 au 4 octobre 2019 à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Remercions vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour l'attention toute particulière qu'il n'a jamais cessé d'accorder aux chefs d'unité administrative d'une part et d'autre part, par des appuis et orientations stratégiques pour l'organisation de cette conférence et à sa pleine réussite. Fait à Abéché, ville légendaire connue de son nom le 4 octobre 2019, les participants. Nous invitons à présent le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Jimmy Arabi, pour la lecture de cette note circulaire avant sa signature. Note circulaire interministérielle numéro 001 PR 2019 relative à la pratique de la DIA. Il nous a été donné de constater
que le plus souvent, les parties en conflit assumaient le paiement de la DIA à l'extinction totale de l'action pénale. Nous rappelons que cette conception erronée de la DIA est contraire au texte en vigueur et encourage l'impunité. Il est porté à la connaissance de l'opinion nationale que dorénavant l'action publique doit être exercée quel que soit le règlement intervenu entre les parties. Aussi convient-il de relever qu'en cas de mort d'homme, l'exercice de l'action publique par le procureur est obligatoire, nonobstant le règlement des dommages intérêts entre les parents des victimes et ceux du ou des auteurs de l'infraction. Les autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et coutumières sont tenues de veiller au respect strict des termes de la présente circulaire qui ne doit souffrir d'aucune dérogation. Fait à Abéché le 4 octobre 2019, pour la signature, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. Je vous remercie. مذكرة دورية. لقد أسترع انتباهنا في غالب الأحيان تخبط الأطراف المتنازعة بين دفع الدية والموقف التام للإجراءات التامة، فإننا نؤكد مجددا أن هذا المفهوم الخاطئ مخالف للنصوص المعمول بها، وبالتالي يشجع ظاهرة الانفلات من العقوبة. لذا نلفت انتباه الرأي العام الوطني بأنه من اليوم فصاعدا يجب أن تمارس الدعوة العمومية مهما كانت التسوية بين الأطراف المتزازعة. والجدير بالذكر أنه في حال حدوث قتل يلزم ممارسة الدعوة العمومية من قبل المدعي العام، هذا بالإضافة إلى تسوية التعويضات عن الضرر بين أسرة الضحايا وأهل مرتكبي الجريمة. لذا يتعين على السلطات الإدارية والقضائية والتقليدية والعرفية السهر على الاحترام الصارم لأحكام هذه المذكرة التعميمية التي يجب أن تطبق دون أي مساس أو مخالفة. حررت في أبشة بتاريخ 4 أكتوبر 2019 الموقعون وزير الدفاع والأمن محمد أبو علي صلاح، وزير إدارة الأراضي محمد إسماعيل شايبو، وزير العدل حامل أختام جمع عربي. شكرا.
Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'inviter Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour le discours de clôture. Excellence. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Doyen de corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, Madame, Monsieur le gouverneur, on a découvert une gouverneure typiquement militaire. Ouais. Pas mal. Vous aurez suffisamment d'autorité pour vous essayer. Vous aurez une très bonne chef-femme. Officiers généraux, officiers supérieurs de forces de défense et de sécurité, leur majesté sultan, le chef de canton, distingués chefs religieux, mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour éteindre le lampion de la 4e édition de la conférence des gouverneurs qui, par son thème, par le lieu et le contexte de sa tenue, par la qualité des travaux et par l'engouement suscité, présente les caractéristiques d'une réussite indéniable. En effet, pendant ces 48 heures, l'exercice d'analyse, surtout d'analyse critique et de prospection intellectuelle auquel vous vous êtes donné, a servi indiscutablement d'éclairage utile pour une meilleure appréhension des enjeux et des défis multiples qui nous engagent tous et en premier lieu le gouverneur de nos provinces. C'est le lieu de remercier et de féliciter les organisateurs et l'ensemble des participants à cette rencontre dont l'apport a été décisif dans le succès de ces assises territoriales, comme l'atteste la pertinence des conclusions qui viennent de nous être livrées. Raïs al-Jumhuriya Kabir al-Dawla Gal, Sayyid Raïs al-Jamhiya al-Wataniya, Assad al-Ruasa al-Muassasat al-Kubra al-Dawla, Assad al-Ada al-Hukuma, Assad al-Nuwab al-Député, السيد أميد السلك الدبلوماسي، السادة والسيدات الولاة حكام عن الولايات، والسيد الرئيس بقول عندنا مرة حاكم عن ولاية ومرة عسكرية، مرة شديدة وده بوصف كأوين مرة عندها سلطة قوية تسيطر في الناس. ميرسي. الضباط القادة، الضباط الكبار، السادة المسؤولين التقليديين والدينيين، السيدات والسادة. وقال لمينا اليوم من أجل نهاية الدورة الرابعة من مؤتمر الحكام الكان من خلال الموضوع والمكان والظروف عن انعقادة والنوعية هنت الأعمال سوتوها بحماس ده بوصف بكونه المؤتمر ده جاب نجاح مؤكد فعلا في مدة 48 ساعة. ممارسة التحليل النقدي والتفكير سمح لكم التنوير المفيد
من أجل استيعاب الأهمية والتحديات المتعددة القاعدة قدامنا كلنا، وخاصة في الدرجة الأولانية التحديات دي قاعدين قدام كؤتو الحكام عن الولايات. دي فرصة لي قال عشان نهني ونشكر المنظمين وجماعة المشاركين في الملمة دي اللي كان جاب النتائج حاسمة مثل مذكور في الخلاصة اللي قدمتها لنا هسه. Distingués invités, mesdames et messieurs, hier à l'ouverture de cette conférence, j'ai noté que celle-ci se tient dans un contexte national et sous-régional marqué par une multiplication des menaces dont la coagulation pourrait compromettre la réalisation de l'idéal collectif des Tchadiennes et des Tchadiens de construire une nation résolument tournée vers la modernité et l'émergence. La paix, encore la paix, toujours la paix. Je ne le dirai jamais assez. Vivre en paix dans son propre pays n'a pas de prix et il n'est pas nécessaire de vivre le contraire de la paix, c'est-à-dire la guerre et son cortège d'insécurité, le désordre, pour se rendre compte de l'évidente valeur indéfinissable de la paix. Malheureusement, nous sommes tous témoins des horreurs indicibles et inimaginables qui se sont produites dans certaines zones du pays ces derniers mois. Rien, absolument rien, ne peut justifier de tels actes ignobles, contraires à nos cultures, à nos croyances et à nos conditions humaines. Je ne peux comprendre que des Tchadiens tuent d'autres Tchadiens à cause d'un lopin de terre, d'un point d'eau ou d'une tête de bétail. Je me réjouis de constater que l'instauration de l'état d'urgence dans les trois provinces concernées a contribué à limiter les affrontements sanglants. Et les premiers résultats sont encourageants, comme en témoigne la saisie impressionnante des armes détenues par les civils. Tout en félicitant tous les acteurs impliqués dans cette opération, notamment les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et traditionnelles, je voudrais les exhorter à poursuivre leur effort appréciable afin d'éradiquer définitivement la course à l'armement des civils. Le désarmement des civils ne doit être limité ni dans le temps ni dans l'espace. L'opération de désarmement doit être généralisée sur l'ensemble du territoire et doit constituer une préoccupation de l'ensemble des acteurs politiques, administratifs, militaires et traditionnels. Kabira Dawla Gal, Adyouf Al-Kiram, Asseyidat Wassada, أمس في الافتتاح المؤتمر كان قلت قاعد ببقى المؤتمر ده في ظرف وطني وإقليمي فوق تهديدات كثيرة، وإذا كان زادت ممكن تمنع تحقيق الهدف المشترك عن التشاديات والتشاديين اللي كان قاعدين بدور البنى عن أمة متوجهة نحو التحديث والتطور. فقال نقول السلام بتان كلا السلام وأبدا ودائما السلام، لأن
المعيشة في سلام في بلدك حلالك ما عندها ثمن رئيس الجمهورية بقول والعكس عن الحياة في السلام ما ممكن معنات الحرب والانفلات عن الأمن والبرجال هم ذي القيم عكس عن الأمن والاستقرار لكن قال بالأسف كلنا شهدنا وشفنا الأفعال البشعة الما معقولة البقت في بعض من الولايات انت البلد في الشهور الأخيرة دي فقال ولا شيء أبدا ما في شيء وما في دليل كي بيقل أفعال خبيهة وخبيهة وخبيثة مثل دي مخالفة لثقافاتنا مخالفة لدياناتنا مخالفة لشروطنا انت الإنسانية تبقى في بلدنا ده شيء ما معقول وما مقبول فقال أنا نقدر وما نفهم كيف تشادين بقتلوا أخوانهم تشادين آخرين أسباب هنا قطع تراب ولا كلام أنا علمي ولا كلام أنا بهيمي قال كلام ده ما نقدر نفهمه فقال أنا مرتاح لأن نلاحظ بكونه فردين هنا حالة الطوارئ في ثلاث ولايات المعنية ده كان ساهم في تهديد المواجهات الدموية والنتائج الأولانية مشجعة بلين والدليل البشهد هو المسكين هنا كمية كثيرة وكبيرة من الأسلحة اللي عندها كان للناس المدنيين ده القوات انت الدفاع والأمن قبضوا عليهم واللجنة والتنسيق كربوهم وقال أسباب ده نشكر كل الناس المتدخلين في العملية دي خاصة قوات النظام والمسؤولين الإداريين والمسؤولين التقليديين ونقول لهم نشجيهم بتان كلا خليه تعبوا وفي جهودهم ده وخدمتهم دي خليه يسوى بتان كلا زيادة بمثل ده قال يقدروا يوقفوا مرة واحد نهائيا ويجردوهم للناس المدنيين من السلاح لأن رئيس الجمهورية بيقول التجريد عن السلاح من المدنيين ده لازم ما يقف لازم يبقى مستمر في أي وقت وفي أي مكان لازم يجردوا السلاح من الناس المدنيين العملية إن تجريد السلاح لازم تبقى عامة وشاملة في كل الأراضي انت البلد ولازم تبقى اهتمام عن جميع المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel de cœur à tous les Tchadiens qui ont un amour pour l'arme de guerre. De se tourner résolument le dos et s'approcher de son prochain, de donner l'amour à son prochain. وقام السيد الرئيس بقول ننتهز الفرصة دي عشان نقدم ندى صارم وندى من قلبي داخل لكل التشاديين البدور إلا كي قلبهم إلا بريد قلبهم معلق إلا بدور البندق بس ديل ده خلي قلبهم ده يخلو يبقى ماسك من قلب هنا البندق ده خلي يلفتوا يفتشوا شغل هنا الآفي يقلوا كلام هنا البندق خلي أي واحد يلفت في أخو تشاديين يريد لأخو الآخر ويحب لأخو الآخر ده أخير من يفتشوا كلام هنا البندق Je voudrais lancer encore cet appel à tous mes frères qui détiennent des armes illégalement de remettre où qu'ils soient cet objet dangereux aux forces de défense et de sécurité, à la chefferie traditionnelle ou à l'administration. D'une manière très volontariste. وقام السيد الرئيس بقول أيضا بنتهز الفرصة دي عشان بنقدم ندى لأخواني جاديين اللي هسا أقول عندهم أسلحة بصورة غير شرعية قاعدين عندهم مسكوا بنادق ده بصورة غير شرعية ده خلي السلاح ده كن قاعدين وين كلها خلي السلاح ده يسلموه لقوات الدفاع والأمن
ولا ينتو للإدارة ولا ينتو للسلطات التقليدية للشيوخ وشيف دي كانتون والمسؤولين التقليديين. قال ندى دا قدمت لهم وأنا ندور خليهم سيادة كبن يتم كي أيوة قلب خلي يسمع ليه خليك إن دا بندق دا يسلمه سيدة بنيتا. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout en regrettant profondément la propagation de la haine numérique dans certaines situations troubles, j'ai surtout noté avec grande satisfaction que l'écrasante majorité de nos compatriotes sont foncièrement attachés à la paix et à la stabilité de leur pays. Il ne m'a pas échappé que nombre de nos compatriotes y sont allés de leurs propositions et de leurs initiatives personnelles et associatives en vue d'apporter contribution à une cohabitation apaisée des fils et filles du Tchad. Je profite de cette tribune pour féliciter toutes les bonnes volontés patriotiques qui, d'une manière ou d'une autre, se soucient de la préservation de ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire la paix. J'encourage tous nos compatriotes à s'inscrire dans cette noble démarche pour rapprocher le cœur des Tchadiens par la sensibilisation, par la prêche de la tolérance, par la promotion du sentiment national, par la vulgarisation des textes de la République. Dans cette quête d'action collective pour cimenter la cohésion nationale dans la perspective de l'émergence, aucune contribution n'est de trop. كبير الدولة قال الضيوف الكرام أنا آسف شديد للانتشار أنا الهقت في بعض من الحالات لكن قال سجل بامتنان كبير بكون أغلبية مواطنين التشادين متمسكين زيادة بالسلام والاستقرار على بلدهم لأن كثير من المواطنين هم سيادة قاموا جابوا اقتراحات ومبادرات هنتم حلالهم أو هنا جمعياتهم عشان يشاركوا في مسألة التعايش السلمي والهادي بين أبناء وبناتنا تشاد. فقال ننتهز الفرصة دي من المنبر ده عشان نشكرهم للمواطنين الاندوم نية السمحة الاندوم نية وطنية القاعدين بيهتموا ليل ونهار بالحفاظ عن الشيء الخالي لنا المعناته هو السلام والعافية في بلدنا. فقال نشجي كل المواطنين خليه يتابعوا الخطوة دي عشان التشادين يصفوا قلوبهم عن بيناتهم بالتوقيع وبالإرشاد الديني والتسامح عن بيناتهم والتطور عن الشعور هنت الروح الوطنية وبمثل دا يقدروا بالنشر عن القوانين هنت الجمهورية كلها يحترموها. فقال في النهاية هنت الأعمال الجماعية من أجل تقوية التماسك الوطني بين التشادين أنينا أي نادم بجيب مساهمة أننا شيء الجابلين بساهمنا بدور بساعدنا في العفو والسلام ده نقبل منا فكرة الجابلين. Mesdames et messieurs, j'ai parfaitement conscience que les réponses aux conflits intercommunautaires ne peuvent être exclusivement militaro-sécuritaires dans la mesure où tant les causes de ces conflits que les protagonistes sont multiples et variables d'une province à une autre. L'accent premier doit être mis sur la prévention en édictant des mesures pratiques et en engageant des actions concrètes
susceptibles de participer en amont à la réduction des potentielles sources de discorde entre les citoyens. À ce titre, il est d'une urgence absolue de procéder à une actualisation de la délimitation matérielle des couloirs de transhumance et des aires de stationnement du bétail. C'est pourquoi j'instruis les ministres concernés à l'effet de mettre en place une commission nationale et des comités locaux en collaboration avec le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles afin de fixer les conditions territoriales d'une bonne cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans ce même registre, j'invite la représentation nationale à accélérer l'adoption des textes consensuels destinés à définir les règles en matière de pastoralisme, de régime foncier et dominial, des statuts de chefferie traditionnelle. Dans le même souci de prévention, il est instamment demandé aux autorités administratives d'engager les chefs traditionnels de leurs ressorts territoriaux à convenir entre eux des mécanismes préventifs de règlement des conflits dans le respect des textes de la République. Dépositaires de nos valeurs ancestrales, les sultans, les chefs de canton, des fériques et des villages, qui sont d'ailleurs les plus proches des populations, doivent veiller sur tout ce qui touche à l'harmonie sociale, à la paix dans notre communauté nationale. Je le dis de façon claire et ferme. Dans la gestion des conflits meurtriers, l'application de la loi ne doit pas souffrir de compromis intercommunautaires. Il ne sera plus jamais question d'absoudre un crime de sang par le tranchement d'une réparation civile négociée sur le dos de la justice. Il ne sera plus jamais question pour un meurtrier d'échapper à la sanction pénale juste parce que sa communauté s'est acquittée de la dire. Cette pratique est par essence anti-républicaine, car elle anesthésie l'action publique par un simple arrangement intercommunautaire. Cette pratique est profondément injuste, car elle introduit de fait une discrimination entre les citoyens en permettant aux meurtriers aisés qui ont des moyens d'échapper à une peine pénale et en envoyant en prison celui qui est incapable de payer le prix du sang. Plus grave, la pratique institutionnalisée de la DIA délivre une sorte de permis de tuer à ceux qui sont convaincus de la capacité financière de leur famille ou de leur communauté à payer leurs crimes. La vie ne doit plus jamais être une marchandise monnayable.
d'où j'apprécie et j'appuie la note circulaire qui vient d'être signée par les trois ministres, qui va dans ce sens. Pour toutes ces raisons, je rappelle l'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle, de court-circuiter l'État et son institution judiciaire en réglant les cas de meurtre intentionnel par l'acquittement de Dieu. Plus jamais cela. Tout meurtre délibéré doit au préalable et systématiquement subir la rigueur de la loi pénale avant que ça ne soit envisagé la question de la réparation civile. كبير الدولة قال السيدات والسادة أنا نعرف تمام وأنا واعي بكون الرد للخلافات والنزاعات القبلية ما بس حصريا إلا عسكريا وأمنيا لأن الأسباب انت الخلافات دي كثيرة والمتنازئين كل متنوعين وبيختلفوا من ولاية لولاية أخرى وقال واجب أولا الوقاية باتخاذ إجراءات عملية في أرض الواقع والقيام بأعمال ملموسة تقدر تساهم من بدري في حلنا الخلافات أم بين المواطنين وقال في الناحية دي لازم في أسرع وقت يقوموا بتجديد ترسيم الحدود هنت المراحل هن الرحل والمساحات البرتو فوق سياد البهاي وقال أسباب دا ننتي تعليمات للوزراء المعنيين عشان يكونوا لجنة وطنية ولجان فرعية محلية بالتعاون مع المجلس الأعلى عن التجمعات المستقلة والسلطات التقليدية من أجل تحديد الشروط المحلية هن تعايش أحسن بين سيادة البهائم والناس المزارعين في نفس السجل قال نطلب من الممثلية الوطنية البرلمان عشان يسرقوا الموافقة هن القوانين التوافقية التهدد القوانين هن الرحل والنظام هن الملكية الأرضية والهيكل هن نظام السلطة التقليدية في نفس الهدف قال هن الوقاية دي مطلوب من المسؤولين الإداريين خليه يوجهوا المسؤولين التقليديين القاعدين تهت إدارتهم خليه يقوموا بآليات وقائية هن حلين الخلافات في احترام قوانين هند الجمهورية فقال السلاطين والشيوخ الشيف دي كانتون الملوك رؤساء عن الفرقان مسؤولين هنا الهلال هم دي الناس المحافظين للقيم هنا جدودنا وهم أقرب للشعب لازم هم يفكروا ويراقبوا في كل شيء البدور بتلف التماسك الاجتماعي والسلام في المجتمع الوطني قال أنا نقول بصورة واضحة وصارمة فيما يخص حلين الخلافات الدموية تسبب موت لازم تطبيق القانون ده يبقى بشدة ما بس يجيب في اتفاق بين القبيلتين ولا القبائل اللي عندهم مشكلة لا كبير الدولة قال بطن ما في دم كي بس يخلوها بكفين هندي ساكت دم ما في إلا المحكمة تسي خدمتها بالعدالة بطن ما في زول مجرم كتال عن الدم ما يحكموا عشان أعلى كفو دي بس ده ويخلوه لازم يشارعوه في المحكمة ويعاقبوه ناد ممكن كتل دم فريزان بيقول الممارسة دي مخالفة للجمهورية لأن تتلف الخدمة هنت الحكومة الممارسة دي والفعل ده ظلم لأن تسبب عنصرية بين المواطنين عشان تسمح للمجرم القاتل هنا الدم وإنده إمكانيات بسهولة كبس يتخلص من العقوبات والحكم الجنائي والنادوة الماء عنده يكفي دي كمان بدخلوه في السجن كل واحد كن كتل دمه يحكمه ويدخلوه في السجن السيد الرئيس بيقول الشيء الخطير زيادة الناس وادين عشان عندهم قدرة عندهم مال بكفوا دي بس ده بيقالهم فرصة بيقالهم مثل رخصة عشان يقتلوا على كيفهم وبس يقولوا أنينا عندنا نقتلوا ونكفوا دي بس خلاص نخلوهم يخلونا بريزدان قال الحياة والروح أنا ابن آدم ده بطان ما يبقى لناس مثل دول تجارة ده خلاص كفام خلي يقوفوا ويتابعوا القانون يجري فوقهم عشان ده السيد الرئيس بيقول هو هسا
المذكرة القدموا الوزراء الثلاثة ومضوا فوق هذا هو للمذكرة دي بقدرها وبيتميتها الشيء تمام بلين عشان يقدر للمجرمين ده بمثل ده بخوفهم. أسباب تمس قال بريزدان يذكر بكونه ممنوع بتان ممنوع ناس بس يخلوا الحكومة يخلوا جستيس ونادمهم قتل ديمة بس خلاص يقول كلام ده قتلنا برا وخلاص يخلوا للقاتل ده ده ما في خلاص بريزدان كل زول قتل عمدا يعاقبوا على حسب القانون. وبعد ده كمان كم مسألة ندية تجي كما يسوى خلاص فيني ما في بطان ملعوب يمسي. Mesdames et messieurs, en parlant de l'institution judiciaire, est-il besoin de rappeler l'importance du rôle des juges dans le maintien de la paix sociale? La justice est la régulatrice attitrée des rapports sociaux à travers son pouvoir constitutionnel d'institution chargée d'appliquer les lois et règlements de la République. Or, il est regrettable de constater que par le laxisme, les libérations illégales, le manque de fermeté, l'absence d'objectivité et l'appât du gain, la justice est en train de perdre son âme et sa crédibilité. En ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, je voudrais interpeller les magistrats sur la dangerosité de certaines pratiques dans nos tribunaux qui font de la justice un facteur de déstabilisation sociale plutôt qu'une institution garante du bon équilibre social. Le principe cardinal d'indépendance de la justice, auquel je suis particulièrement attaché, ne doit pas être détourné pour servir des intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général. J'invite les magistrats à prendre pleinement conscience des enjeux vitaux qui sont en jeu et à accomplir leur mission avec la dignité, la responsabilité propre à la fonction de rendre la justice entre les hommes. رئيس الجمهورية قال السيدات والسادة ندور نكلم بالمؤسسة هنت العدالة أو القضاء فقال هل محتاجين نذكروا أهمية هنت الدور هن الناس القضاة في الحفاظ على السلام والسلم الاجتماعي لأن قال العدالة هي بس تقوم بالقوانين هنت العلاقات في المجتمع وهي بس على حسب القوة الدستورية هنت المؤسسة مكلفة بتطبيق هن القوانين هنت الجمهورية لكن قال بالأسف قاعدين نلاحظ شنو لأن الناس هن العدالة ما عندهم جدية واعد في خدمتهم سخولهم تهاون بقوموا لنادم الظالم أو المجرم بطلقوه من الدعاية كيبس بغلوه ما عندهم أي شدة أو صرامة في الحكم حقهم ما عندهم أي موضوعية في الشريعة البسوة وإلا فاكين قشمهم دا الجيش دول إلا بدور ما تبس فايدة حقهم فايدة هنا رشوة حقهم بس فالسيد الرئيس قال الجستيس العدالة اليوم ودرت خلاص الروح انت العدالة ودرت المصداقية انت ما عندها أي مصداقية الجستيس قال بصفتي أنا رئيس أنا المجلس الأعلى للقضاء ندور هني نستدعي كل القضاة عشان نقول لهم كي الشيء اللي هم ماشيين فوق ده ممارساتهم خدمة القائم بسهو ده خطير جدا الشيء القائم بسهو في المحاكم حقهم ده ما قاعدين بسهو عدالة لأن السيد الرئيس بيقول هم أصبحوا هسا مثل عامل الجستيس بقت عامل هنا برجال هنا زعزعة الهدوء الاجتماعي
بدل ما تبقى مؤسسة تضمن التوازن والتفاهم والتوافق الاجتماعي ده الجستيسة السابقة العكس. بريزدان بقول المبدأ أنا العدالة أنا استقلالية العدالة أنا مرتبط ومتمسك بها زيادة، لازم ده ما يبقى لهم حيلة عشان الناس إن العدالة ده يفكروا إلا لما اصطلحتهم الأنانية إلا لنفسهم هم بس وخلاص ما يفكروا للمصلحة العامة انت الدولة. فقال نطلب من هنا الناس الماجستراء القضاة خليه يشيلوا مسؤوليتهم الكاملة، خليه يوقوا عديل بالأهمية انت الشيء اللي هم قائمين بها، لأن الدور والأهمية الماشين لا ومهمتهم اللي هم بيسووها ده لازم كم بدوروا ده مصداقيتهم تبقى والناس يحترمون ده، خليه يسوق خدمتهم بعدالة وبكرامة وبمسؤولية، لأن دي وظيفتهم دي من سمات انت الوظيفة عن العدالة عشان يسوق العدالة للنادم المظلوم ينتو حقه وللظالم كله خليها قبول ده مش ده يلقوا كرامة حقهم ومستقبلهم. مدام ميسي Le gouverneur m'adresse à vous. Vous êtes le premier dépositaire des lois de la République et de l'autorité de l'État dans vos provinces respectives. À ce titre, votre responsabilité est fondamentale, tant en ce qui concerne le maintien de l'ordre républicain et la sécurité publique que le strict respect des droits des citoyens qui ne doivent en aucun cas pâtir de l'exécution des missions des forces de défense et de sécurité. S'il vous plaît, ne cherchez pas des faux fuyants. Vous êtes des chefs, un chef s'assume. Et le pouvoir ne se partage pas. Donc, votre responsabilité est totale dans la gestion de nos provinces. Là où nous avons des difficultés ou des problèmes, c'est parce qu'il a manqué un chef. Ni plus ni moins. L'homme est au centre de tout. Donc c'est à travers vos comportements et vos conduites qui doivent être exemplaires. Vous, monsieur le gouverneur, en premier chef, assumez-vous. Aux autres autorités administratives, ensemble, avec les chefs traditionnels, pour asseoir les bases d'une administration saine, efficace et efficiente au service de la collectivité. J'ai entendu beaucoup en termes de fuite de responsabilité à ce niveau. Il n'y a pas de bouc émissaire. Assumez pleinement ses responsabilités. Les citoyens vous regardent. Là où il manque de l'autorité sur place, ça se voit visiblement, le citoyen dit il n'y a pas d'autorité, donc je fais ce que je fais. Là où l'autorité est apparente, le citoyen dit je crois maintenant il y a une autorité. Ne cherchez pas de midi à 14h. Vous êtes responsable de tout cela.
c'est l'exemplarité qui suscite le respect de vos subordonnés et de vos administrés. C'est l'exemplarité qui impose l'autorité que vous êtes censé incarner. C'est encore l'exemplarité qui confère de la légitimité aux décisions que vous prenez dans l'exercice de vos fonctions. Quand on est faible, on ne peut pas demander aux autres d'être forts. Ou tout au moins, excusez-moi le terme, mais quand on est voleur, on ne peut pas demander aux autres voleurs d'arrêter. N'est-ce pas? Changeons le temps et le comportement. Enterrons le passé définitivement. Ouvrons une nouvelle page blanche dans l'intérêt de la paix, de la stabilité de notre pays, sans lequel aucun développement n'est possible. Je le sais, nombreux sont ceux qui sont perçus comme les incarnations locales de l'État, se versent dans des actions contraires à l'éthique administrative et insultantes pour le prestige certains de leurs fonctions, certains pour le motif bassement matériel, et cela au détriment d'une bonne administration. De facto, il n'est pas en mesure de gérer les conflits communautaires qui débouchent à des morts d'hommes. Il n'est pas en mesure de créer un climat de cohabitation entre les Tchadiens. Parce qu'on n'est pas juste. Mais on n'a rien prévu aussi. La prévention, c'est la première réaction du chef. Disons le vrai. Nous avons constaté, c'est un constat que personnellement moi j'ai fait. D'aucuns d'entre vous sont souvent apathiques et attentistes face à des situations qui nécessitent pourtant des réactions immédiates. Les raisons sont multiples. Il n'y a pas de carburant, je n'ai pas eu de fonctionnement, machin, là où il y a mort d'homme, le sang de Tchadien qui se base. C'est de l'irresponsabilité. De l'irresponsabilité. Dans vos recommandations, tout à l'heure, vous avez parlé des fonds spéciaux. On avait commencé par 10 millions, après on est redescendu à 7 millions. Entre nous. On est tous malins, hein? À quoi a servi cet argent pendant un an et demi? Les forces de défense et de sécurité ont eu quelque chose alors que nous nous avons envoyé pour appuyer les forces de défense et de sécurité avec 7 millions pour intervenir si cela est nécessaire. Mais ce n'est pas l'argent des poches de gouverneur. Et si la gestion devrait être la même, vous ne l'aurez pas.
Et il est aussi régulièrement arrivé que des autorités administratives attendent un ordre de l'État pour agir en oubliant qu'elles sont elles-mêmes l'État. S'assumer au nom et pour le compte de l'État est le premier devoir inhérent à la nature même de la fonction du gouverneur, du préfet ou de l'administrateur délégué. Mesdames et messieurs les gouverneurs, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Assumez-vous. Assumez-vous. السيد الرئيس قال السيدات والسادة الحكام هنا الولايات الجوفرنير ندور نكلم لوكو وتوتو قال وتو بس أول ناس اللي عندكم الخلق هنا تنفيذ قوانين هنت الجمهورية وهنا الهيبة والسلطة هنت الدولة في أقاليمكم اللي وتو قاعدين تحكموا فوقها قال أسباب دا وتو مسؤولين أولا مسؤولين فيما يخص الحفاظ على الأمن والنظام الجمهوري وجيبين الأمن العام والاحترام على القوانين واحترام على المواطنين للقوانين هنت الدولة لازم ده شيء أوتو بس من مهمكو عشان تنفذوا وتنفذوا القوانين هنت الدولة فقال السيد الرئيس من فضلكم من فضلكم أنا نقدر نقول لكم كي النادم من بقيت مسؤول ده واجب تشيل مسؤوليتك ما تعرض من مسؤوليتك وتفتش لك كلامات شيء أنا ما عندي شيء ما عندي إمكانيات أنا سيدي ده ما فيه واجب أنت من بقيت مسؤول ده تشيل مسؤوليتك فالسيد الرئيس بيقول بتصرفاتكم أنتوا كمسؤولين وبالمثل اللي أنتوا توصفوا للناس اتهدكم أنتوا بصفتكم كمسؤولين إداريين بمثل ده تقدروا تهطوا الأسس هنا إدارة سمحة ونظيفة إدارة فعالة وفائلة تخدم للمجتمع وللوطن وللمواطنين سيد الرئيس بيقول أنا ندور نقول لكم تبقوا ناس مثاليين الجوفرنير الحاكم ده بكلمة واحدة يبقى نادم مثالي وإن ده تصرف أدير بقدر بخدم من أجل المصلحة هنت الدولة في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي مناسبة فقال السيد الرئيس بيقول كي أنا نكلم نقول تبقوا ناس مثاليين ده لأن تنقوتوا وصفتوا لشعبكم لناس تهيدكم مثاليين ده تلقوا الاحترام أنا ناس تهيدكم كلها بيحترموكم فقال السيد الرئيس بيقول كي واجب النادم المسؤول ده هو دائما يشيل مسؤوليته قال نسمع كثير بأردوا من مسؤولياتهم بقولوا ده أنا ده ما لماني كل فوادين بقولوا ده ما سي السيد الرئيس بقول ندور نقول لكم شولوا مسؤوليتكم بالكامل أنتوا بس عندكم المسؤولية المواطنين قاعدين بشوفوكم إذا كان النادم الجوفرنير بكان هو باكين فوقا هو ما عنده هيبة هنا المسؤولية ده المواطن كله بقول جوفرنير النادم ميت ساكت ما بيترمه لكن كنا الجوفرنير بقى نادم عنده هيبة نادم قوي بفرض الهيبة انت الدولة ده الناس تيجي تقوله بيهترون فقال ندور منكم دائما انا نقول لكم المثالية تبقوا ناس مثاليين وقال المثالية دي هي تقدر تنتيكوا الشرعية المشروعة في اي قرار كن عندكم هيبة عندكم مثالية عندكم قوة ده تقدروا في اي ممارسة انا خدمتكم ده تشولوا القرار لان السيد الرئيس بيقول السيد الرئيس بيقول النادم انت كمسؤول شيف تلبي الترجو تقول وتخلي الاخر تقول انا تكشكش تلبي تقول اخر يشيل لك المسؤوليه في مكانك دوين الكلام ده النادم انت مسؤول وانت سراك ولا تقدر ليه سراك تقول بقى انت كل ترجع نام نظيف عشان اللي جيت توصم عليه عشان ده السيد الرئيس بيقول لكم كي نطلب منكم خليه تشولوا مسؤوليتكم خليه الفات ده فات خلي نفتح صفحة جديدة بيضة لبلدنا عشان من أجل المصلحة للبلد فقال أنينا ما بالأسف مرات نقدروا قاعد نشوفوا الشيء الببقى
بكل صراحة نكلم لكم سي كلمت قبل قلت بكلام إمكانيات أنا قدمة وصندوق مخصص. قال على كل حال السيد الرئيس نسألكم بيننا أنينا كيف بكل صراحة القروش المثل نرسلوها لكم دعم لكم أنتوا عشان تساعدوا بها مثلا من أجل الأمن والاستقرار لقوات الدفاع. القروش دي بكل صراحة بسألكم هل الأسكر هن القوات هن الدفاع والأمن ده أنتم منه ساعدتم فوقه؟ السيد الرئيس بيقول أكون الجوبرنرات كان خام جو خلاص دسو تجيبوا مقاعدة ما أفكر الأسكر. فعلا فخامة السيد الرئيس بيقول واجب المسؤول ده يشيل مسؤوليته. كثير منكم بقودوا بدل يفكروا في الشيء البصلي بفكروا في المادة في الفائدة المادية وخلاص هزات وعدين ده في شيء ناس موضة هم ذاتك المسؤولين الإداريين ده بزود النار بدوروا شغل يبقى خلاف أم بين الناس والقبائل عشان ده فرصة لهم هم كله بلقوا فوق الشغل بيستفيدوا منه. ده قال السيد الرئيس واجب أنتوا تخدموا عشان تجوبوا الهدوء والتعايش. وهدين السيد الرئيس بيقول الشيء كم بيجا مثل ده بقوله بقودوا ساكت بس بقودوا بشوفوا ساكت خلي شغل ده يتلف عشان شبه مصلحتهم. فبقول أنا نقول لكم دائما السلطات الإدارية ما نادم إلا ترجع الدولة يا تقول لك قم سيخدمتك. لا إنت من أنتم مسؤولية شلت القلق أنا الدولة ده واجب شيء كم بيجا ده طوالي تقوم إنت جوفرنير وما ناسك تقوم تشيل مسؤوليتك وتشيل مسؤوليتك من أجل الدولة لأن المهمة أنت الأولانية دي بصفتك كجوفرنير أو بريفي أو إداري مندوب ده بس شيء تقوم فوقها. السيد الرئيس بيقول السادة والسيدات الجوفرنرات أنا كلمتي واحده بس ندور نقول لكم كلمة ده السيد الرئيس بيقول لكم شولوا مسؤوليتكم بتان كله شولوا مسؤوليتكم بتان كله شولوا مسؤوليتكم. مدام دي ميسي الجوفرنر en vous lançant cette interpellation, je ne voudrais pas passer, bien sûr, sous silence les difficultés financières, matérielles, logistiques auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés et qui entravent gravement votre action. L'impératif de résultat à laquelle vous êtes astreint impose au gouvernement de vous fournir les moyens nécessaires à l'exécution de cette obligation. C'est dans ce sens que des instructions fermes seront données au ministre des Finances à l'effet de mettre un terme au retard récurrent dans la mise à disposition des fonds destinés par la loi des finances au service déconcentré de l'État. Il n'est pas admissible que les autorités administratives locales soient réduites à l'impuissance totale en raison de la lenteur dans l'engagement des ressources financières régulièrement affectées par le budget de l'État. Dans le même ordre d'idée, en tenant dûment compte des restrictions qu'impose encore la situation financière de l'État, un plan de renforcement en équipements divers de notre administration devra être élaboré et mise en œuvre progressivement. Toutefois, je ne saurais assez insister sur l'exigence de rigueur, de transparence dans la gestion des ressources et des moyens que l'État est amené à mobiliser au profit de ce démembrement dans les provinces. Je ne tolérerai pas que les deniers publics destinés aux services soient utilisés par certaines autorités à des fins sans lien avec le service.
ce désordre doit s'arrêter définitivement et pour toujours. Autant vos doléances en termes de mise à disposition des moyens de travail sont légitimes, autant vous devez être irréprochable dans la gestion orthodoxe des ressources diverses qui vous sont affectées. D'où la nécessité de nous bien comprendre. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo demain. سيد الرئيس بقول السيدات والسادة الحكام من الولايات وقت هسا قدم النداء ندور نقول لكم ما نقدر نهدي ساكت ندور نكلم لكم أيضا بالحالة المالية والمادية واللوجستية الأنتم قاعدين تواجهوها وهي دي القاعدة تضعف خدمكم لأن السيد الرئيس بقول الضرورة هنت في النتيجة في الأمل ده الأوتو قاعدين نفرضوا لكم الحكومة تفرضها لكم ده واجب تهد لكم أيضا الإمكانيات قال في النهاية دي بس تعليمات ينطوها للوزير هنا المالية عشان يهد لكم بتم ما يأخر لكم الأموال المقصصة لكم الأموال القصصوا لكم داي الميزانية هنت الدولة اللي حطتها لكم ده لازم ما يأخروها ويجيبوها لكم عشان تسهل لكم خدمتكم برا. فقال ما مقبول بكون السلطات الإدارية المحلية يبقوا ضعيفين مرة واحد لأن البطء عن الخدمة ولا كمان الموارد المالية الخصصوا لهم الخصصتها لهم الدولة ده ما بتجي لهم أجلة. فقال في نفس الصدد أن الأفكار واعتمادا للصعوبات القاعدة تفرض علينا الحالة المالية انت الدولة خطة انت عزيز وتقوية التجهيزات والمستلزمات دي كلها كيف إداري كدا تبقى يقوموا بها خطة دي سوا وينفذوها تدريجيا. فقال على كل حال أنا نشدد بكونه نفرض لكم الجدية في الأمل والوضوح والشفافية في استعمال هنا الأموال هنت الموارد والإمكانيات هنت الدولة المخصصوا لكم في مكاناتكم في ولاياتكم كلكم ده لازم يبقى فوق شفافية ووضوح في تسيير هنا الأموال ده. وقال السيد الرئيس أنا قال ما نسمح أبدا بتان ناس بس مقام الأموال المخصصة للخدمة انتم يمشوا يستعملوا في اغراض اخرى اغراض ما عندها اي علاقه مع الخدمه انت الدوله ده ما نسمع بتن نسمع ولا نقصد خلاص. قال الديزوردر ده البرجال ده خليه يجيف ويجيف كمان نهائيا. وقال قلتوا صحيح عندكم طلبات لازم طلباتكم دي وامكانياتكم دول ده شرعيه يخطوها لكم امكانياتكم لكن واجب قلتوا كلها في تسيير هنا أموركم وأنا خدمتكم ده لازم الأموال دي تستعملوها في الشيء الرسلوا لكم الحكومة قصصتها لكم ده تستعملوه في ده. مدام و مسيو الغوفرنر je voudrais encore répéter pour la deuxième ou bien la troisième fois vous êtes les premiers dépositaires des lois de la République et de l'autorité de l'État dans vos provinces. Ça veut dire quoi? Vous représentez le pouvoir central. Ça? Donc, le comportement de chacun et chacune de vous doit être conforme à la démarche que nos citoyens comprendraient bien que cette démarche-là, démarche d'un chef respectable et respecté. Je profite donc de l'occasion présente
pour vous rappeler que nous entamons la dernière ligne droite devant nous conduire à l'organisation des élections législatives et locales d'ici la fin de l'année, au mois de janvier au plus tard. Je vous exhorte à apporter tout l'appui nécessaire aux organes de pilotage du processus électoral en cours afin de garantir les conditions de bon déroulement du scrutin à venir. Distingués invités, mesdames et messieurs, les résolutions issues de cette conférence et les orientations que je viens d'exposer doivent aiguiller toutes les actions de l'État au niveau central et déconcentré. Au-delà de l'appareil étatique, c'est tous ensemble, dans un élan fraternel et solidaire, que nous pouvons conjurer tous les facteurs qui retardent notre marche vers le progrès et la modernité. En souhaitant un bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement d'Abéché, je déclare clos les travaux de la 4e conférence des gouverneurs. Je vous remercie. أخيرا فخامة السيد الرئيس قال السيدات والسادة الجوفرنر قال باتان كولا ندور نكرر لكم لثالث مرة أوتو جوفرنر قال أوتو بس المسؤولين من القوانين هنت الجمهورية وأن الدولة في مكان الأوتو قاعدين تحكم فوقها معناته أوتو بس مسؤولين فقال واجب التصرف عن الجوفرنر عن أي واحد منكم يبقى تصرف عن خطوة أنا زول مسؤول عند احترام بيهترم نفسه والمساكين حقه كلها بيهترموا له هو فقال عشان ده أنا ندور ننتهز الفرصة دي عشان نذكركم بكونوا أنينا خلاص هسا قاعدين ندخلوا في الخط الأخير عن من هني قاعد بودينا في تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية كنكتير كل هدي من هني لشهر واحد 2020 وقال ندور نشجيكم عشان كلكم تجوبوا مساندتكم اللازمة للأجهزة التقوم بالعملية انت الانتخابات الجارية عشان نضمن كل الشروط ان تحسين هنا الانتخابات الجاية سيدات والسادة السيد الرئيس بقول التوصيات انت المؤتمر دي والتوجيهات الان هسا انتتكم لا ده واجب يبقى لكم دعم لعملكم على الدولة في المستوى المركزي وفي المستوى اللامركزي وقال أزيد من دا الجهاز على الدولة واجب السيد الرئيس بيقول كلنا سوا في خطة أخوية وتضامنا بيننا إلا بمس الدبل نقدر ننجه في كل الأوامل القادم بأخر المشية على بلدنا للتقدم والحداثة وقال نتمنى عودة سليمة وسمها لكل الناس الجو في أبشي وبمثل ده نقول نختم الأعمال هنت الدورة الرابعة أشكركم كثير Merci distingués invités mesdames et messieurs Avec le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prend enfin le programme de notre cérémonie. Mais je rappelle que dans le cadre de la politique de l'état d'urgence, beaucoup des armements ont été saisis. Donc nous demandons aux personnalités, ci après, d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour visiter les armes récupérées. Il s'agit le ministre de la Défense, ministre de l'Administration du Territoire, le SEMGA, le CMPPR, le DIRCAP adjoint, le conseiller à la Défense, le conseiller à la Sécurité, le gouverneur du Wadaï,
le gouverneur de Sila. Donc nous demandons aux autres invités de garder leur place. Chers téléspectateurs et auditeurs de l'Office national du média audiovisuel, vous venez de suivre le discours de clôture de la 4e conférence des gouverneurs, conférence tenue ici à Béché du 3 au 4 octobre 2019, discours prononcé par le chef de l'État, un discours plein de messages et de mots d'ordre. Mais avant l'intervention du chef de l'État, d'autres actes de la conférence ont été rendus publics, des recommandations, des résolutions, un mot de remerciement et surtout une note circulaire qui porte à la connaissance de l'opinion que désormais les gens doivent faire la part des choses. Au cas où il y a une situation de crime, le coupable de ces crimes sera sévèrement puni par la justice et que le paiement de la DIA ne doit en aucune manière entraver l'action publique. Trois membres du gouvernement sont censés exécuter cette note circulaire. Il y a le ministre de l'administration du territoire, celui de la justice qui a même rendu publique cette note circulaire et le ministre de la Défense. Oui, voilà, je le disais, en ce moment, le chef de l'État quitte la salle pour un autre événement et nous parlerons surtout du discours du chef de l'État qui a beaucoup plus mis l'accent sur la paix, la sécurité, la fin du conflit intercommunautaire, mais il a lancé un message fort à tous les gouverneurs. Il a appelé le gouverneur qu'ils doivent s'assumer. Le chef de l'État est revenu largement sur le mot paix, sécurité, pouvoir de responsabilité des gouverneurs et en leur qualité de dépositaire du pouvoir public, il les a appelés à s'assumer et que l'État doit les accompagner dans toutes leurs actions. Et comme l'a annoncé le service de protocole, que le chef de l'État va tout à l'heure aller voir les armes récupérées dans le cadre de l'opération de désarmement des civils en cette période d'état d'urgence, surtout dans les provinces de Sila et du Wadaï. Oui, Tiani. السادة المشاهدين هكذا ختم المؤتمر الرابع لحكام الولايات بمدينة أبشة بخطاب رئيس الجمهورية رأس الدولة الذي تناول فيه قضايا كثيرة تتعلق بالأمن السلام الإدارة الجيدة الحكم الرشيد احترام القوانين. ونذكر بأنه قبل أن يقدم رئيس الجمهورية كلمته أو خطابه الأخير قد خرج هذا المؤتمر بتوصيات وقرارات وكلمة شكر والتوقيع على مذكرة وقعت من قبل ثلاثة وزراء تقضي بتطبيق القوانين المعمول بها والنصوص المعمول بها في مسألة الدية. تشاهدون الآن رئيس الجمهورية برفقة بعض أعضاء الحكومة سيتفقد رئيس الجمهورية الأسلحة التي تم تجريدها من المواطنين في ولاية وداي. مشاهدي الأفاضل، خطاب رئيس الجمهورية كان خطابا ضافيا تناول فيه رئيس الجمهورية القضايا الكثيرة المتعلق مثلا النزاعات بين الأهالي وأعطى تعليمات صارمة لحكام الولايات التحلي بالمسؤولية. وكرر رئيس الجمهورية أن النزاعات التي تنشأ بين الأهالي أسبابها معروفة، فلذا ناشد رئيس الجمهورية الحكام إلى التحلي بالمسؤولية. مشاهدي الأعزاء، تشاهدون رئيس الجمهورية الآن برفقة بعض أعضاء الحكومة يتفقدون الأسلحة التي جردت من بعض المواطنين. ونذكر بأن اللجنة التي تقوم بالمراقبة وتفتيش الأسلحة أصدرت جدولا يشير إلى أن الأسلحة التي تم ضبطها أو تجريدها من المواطنين
مجموع هذه الأسلحة 2037 أسلحة و7600 زخائر حية. كما تشاهدون هذه الأسلحة أمامكم يتفقدها رئيس الجمهورية برفقة بعض المواطنين. Oui, Tidjane, vous l'avez dit, certainement, chers téléspectateurs et surtout les auditeurs, comme nous vous le disons tout à l'heure, que le chef de l'État, en ce moment, accompagné de différents responsables, ses proches collaborateurs et surtout les responsables de forces de défense et de sécurité, et le chef de l'État est en ce moment en train d'inspecter les armes récupérées dans le cadre de l'opération de l'État d'urgence. On parle de plus de 2000 armes récupérées et plus de 7000 munitions récupérées par les forces de défense et de sécurité censées récupérer ses armes auprès des civils. L'opération de désarmement qui a apporté tous ces résultats, cette opération de désarmement doit se poursuivre. Elle n'a pas de limite et elle doit s'étendre également sur l'ensemble du territoire national, a rappelé le chef de l'État dans son discours de clôture de la 4e conférence des gouverneurs. Le président de la République a lancé également un appel de cœur à tous les Tchadiens qui aiment l'arme. Il demande à tous les Tchadiens qui aiment l'arme et qui pensent que l'arme est utile, les Tchadiens civils certainement, qu'ils doivent cesser avec cet amour et qu'ils doivent désormais mettre fin à l'utilisation de l'arme de guerre, car cette arme ne donne pratiquement rien. Rien, c'est un outil qui sème la division et la désolation au sein de différentes communautés. Vous savez également que le président de la République est revenu largement dans son discours de clôture sur le rôle du gouverneur, la responsabilité du gouverneur. Il a appelé le gouverneur d'être exemplaire. Le mot exemplaire a été répété par plusieurs fois par le président de la République, qu'ils doivent être exemplaires, donner l'exemple à tous les citoyens, qu'ils doivent imposer dans leur gestion l'autorité de l'État, mais tout en expliquant et essayant de convaincre les citoyens de leur localité respective que l'État, l'autorité de l'État doit être respectée et que chacun doit s'assumer. Il a appelé également le chef d'unité administrative à prévenir les conflits. Parce que le chef de l'État a dit qu'il ne s'agit pas d'abord de parler d'un conflit, mais plutôt de prévenir les conflits. Dès qu'ils apprennent que quelque part il y a un problème qui ne marche pas, ils doivent forcément être sur le terrain, mais ne pas toujours répéter le manque de moyens, le manque de possibilités, et cela ne donne pas du tout raison au chef des unités administratives. Mais il a appelé chacun à s'assumer et il a promis également les aider à mieux accomplir leur mission. Voilà, chers téléspectateurs, fidèles auditeurs de l'ONAMA, le chef de l'État continue d'inspecter les armes récupérées entre les mains des civils dans le cadre de l'opération de l'état d'urgence. C'est étonnant, toutes ces armes sont récupérées entre les mains des civils. Et selon le comité chargé de ces armes, il parle de plus de 7000 munitions et de plus de 2037 armes de guerre récupérées dans la province d'Ouaddaï et de Ouadi, dans la province d'Ouaddaï et de Sylla, bien entendu. Donc c'est en ce moment le chef de l'État en train d'inspecter ces armes. Et comme il l'a dit, que les Tchadiens doivent cesser de manier l'arme, doivent cesser d'utiliser l'arme. C'est un outil dangereux et chacun doit être franc avec son prochain, aimer son prochain et toujours penser à l'amour du prochain. Dans ce discours, le chef de l'État a lancé un appel de cœur à tous les Tchadiens d'être toujours unis, solidaires et de penser au développement du Tchad. Il a également invité ses compatriotes à la responsabilité et il dit enfin que dans un élan patriotique et de solidarité, nous devons construire le Tchad. C'est également un appel que le chef de l'État a lancé à tous les Tchadiens qui l'écoutent en ce moment et ceux qui vont certainement et ceux qui auront la chance de suivre ce message à travers les ondes de l'ONAMA. نعم الزميل تاج الدين، خطاب رئيس الجمهورية صراحة كان خطابا ضافيا، تناول فيه العديد من القضايا، مسألة النزاعات بين الأهالي. هنا دعا رئيس الجمهورية إلى دعا السلطات المحلية إلى حل هذه المسألة، خاصة مسألة مراحل الرحل التي تسبب أحيانا النزاعات بين المزارعين والرعاة. هكذا كما أن رئيس الجمهورية تناول في خطابه مسألة القضاء، فذكر دور القضاء والقضاة في مجال العدالة، وقال رئيس الجمهورية أن القضاء والقضاة لا يتحلون
بالعدالة لا يتحلون بالمسؤولية، فهم دائما لا يؤدون مهامهم بمسؤولية كافية، كما قدم رئيس الجمهورية أيضا نداء إلى حكام الولايات فقال أنتم المسؤولون عن الولايات، فلازم أن تتحلوا بالمسؤولية وتكونوا القدوة والمثل الأعلى حتى يحترمكم المواطنون. كما تناول أيضا رئيس الجمهورية الصعوبات المالية والمادية واللوجستية التي تعاني منها الصعوبات، وتعهد رئيس الجمهورية وأعطى تعليمات لوزير المالية بعدم تأخير الأموال المخصصة بعدم تأخير الأموال المخصصة لحكام الولايات للقيام بمهامهم. كما أن رئيس الجمهورية أيضا تحدث عن العملية الانتخابية وقال أن الانتخابات ستجرى في الوقت المحدد، ودعا حكام الولايات أن يساهموا حتى تجرى هذه الانتخابات. مشاهدي الأفاضل، تشاهدون رئيس الجمهورية برفقة أعضاء الحكومة وكبار ضباط الجيش الذين يتفقد هذه الأسلحة التي جردت من المواطنين. وكما قال رئيس الجمهورية في خطابه دعا المواطنين إلى تجريد أنفسهم من هذه الأسلحة، كل من يمتلك أسلحة يجب عليه أن يسلم هذه الأسلحة إلى السلطات العسكرية أو السلطات التقليدية أو شيوخ الكانتونات، وهذا من شأنه يسهم في عملية السلام وعملية السلام والتعايش السلمي والتلاحم الوطني. ما زلنا نواسيكم بهذه التغطيات المباشرة من مدينة أبشة من داخل فندق ثلاث نجوم، حيث اختتمت أعمال المؤتمر الرابع لحكام الولايات، وأن رئيس الجمهورية الآن برفقة أعضاء الحكومة يتفقدون الأسلحة التي ضبطت من المواطنين. تاج الدين. Oui, Tidjani, vous l'avez dit, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, accompagné de ses proches collaborateurs et des officiers responsables des forces de défense et de sécurité, continue d'inspecter le 2000 armes de guerre et le 7000 munitions récupérées entre le mai des civils lors de l'opération de désarmement que, je me répète, le chef de l'État a insisté pour que cette opération continue et qu'elle doit aussi s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour la paix sociale, pour l'apaisement social, le chef de l'État a quelque peu rappelé le magistrat d'assumer le rôle. Il a parlé du laxisme au niveau de la justice, mais également de la liberté illégale accordée à quelques personnes qui perturbent la quiétude, qui se livrent à des actes qui ne sont pas du tout catholiques, à ces individus qui sont irresponsables. Et le chef de l'État était clair dans son discours que la justice doit accompagner les actions du gouvernement tendant à ramener la paix sociale entre les Tchadiens, mais aussi à renforcer la cohabitation pacifique. Le chef de l'État n'a pas manqué aussi de parler de la haine numérique. Voilà, Tidjani, la haine numérique pour ces Tchadiens-là qui essayent d'utiliser les réseaux sociaux pour lancer des messages qui appellent à la division et à la haine. Le chef de l'État le rappelle à la raison. Et il s'est dit également que nombre important de Tchadiens ont compris aujourd'hui la nécessité de la paix et de la cohabitation pacifique et qu'il lance des messages qui appellent le Tchadien à vivre ensemble, qui appelle le Tchadien à consolider, à renforcer les acquis de la paix et de la cohabitation pacifique. Le chef de l'État n'a pas aussi manqué dans son discours d'inviter les gouverneurs d'être prêts pour un autre défi. Ces défis-là, ce sont les élections qui seront organisées très prochainement et précisément dans le 1er septembre, le premier semestre de l'année 2020, comme l'a annoncé le président de la CENI il y a quelques heures. Donc le chef de l'État invite les gouverneurs également à appuyer toutes les structures censées organiser les élections législatives et communales dans leurs unités administratives respectives. Tidjani, le chef de l'État a parlé dans son discours
de tous les maux qui entravent aujourd'hui le bien-être de Tchadiens, et le chef de l'État a invité surtout les gouverneurs à s'assumer. Il dit qu'il incarne le pouvoir public. L'autorité de l'État passe d'abord par l'exemplarité de tous les gouverneurs, par la responsabilité des gouverneurs, et il les a invités d'être toujours responsables, mais il a rappelé également à ces différents chefs d'unité administrative qui sont aussi déjà des agents de développement, et chacun doit s'assumer, ils doivent coordonner les services, de concentrer, implanter dans leur circonscription administrative, mais aussi orienter, sensibiliser, conscientiser la population. Et parlant de la conscientisation et de la sensibilisation de Tchadiens, le président de la République, Idriss Déby Itno, a sollicité également l'appui de responsables traditionnels qui n'ont pas du tout manqué d'accompagner les actions du gouvernement en ce sens, et qui les appellent encore à garder cet élan de coopération, de solidarité et surtout de collaboration avec les responsables administratifs pour que les Tchadiens se sentent heureux. Et là, pour que les Tchadiens puissent se sentir heureux, le chef de l'État a dit, écoutez, chers compatriotes, vous devez toujours œuvrer pour la paix, rien que la paix et toujours pour la paix, pour se sentir toujours heureux, se sentir toujours chez soi, en liberté et surtout d'être tranquille, et que chacun puisse également vivre dans l'harmonie sociale. Tchadien. زميل تاج الدين، كما أشرت بأن رئيس الجمهورية قد أشار في خطابه إلى انتشار الحقد والعداء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا من شأنه، وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية. فأشار رئيس الجمهورية إلى أولئك الذين يقومون بنشر المنشورات التي تؤدي إلى الحقد والعداء والكراهية بين التشاديين، أن يتوقفوا، ناشدهم أن يتوقفوا. وكذلك تحدث رئيس الجمهورية عن مسؤولية حكام الولايات، وكرر هذا وقال خذوا مسؤوليتكم، خذوا مسؤوليتكم. مشاهدي الأفاضل، تشاهدون الآن على شاشاتكم رئيس الجمهورية سوف يقوم بحرق بعض الأسلحة، سوف يقوم بحرق بعض الأسلحة، وذلك إعلانا منه بأن الأسلحة، وذلك يعني وهذا يرمز إلى أن امتلاك الأسلحة لا يفيد، أن امتلاك الأسلحة يسبب المشاكل بين التشاديين. وطالب في خطابه من التشاديين أن يسلموا أسلحتهم، أو المواطنين الذين يمتلكون الأسلحة، إلى تسليم الأسلحة إلى المسؤولين المحليين. Oui, Tidjani, pour joindre l'acte à la parole, le chef de l'État a dans son discours invité le Tchadien qui aime la l'arme à feu de oublier cet amour, de se débarrasser de l'arme. Le chef de l'État a rappelé que l'arme est un outil dangereux pour la paix et la stabilité. Et pour joindre l'acte à ce qu'il a dit tout à l'heure dans la salle, le chef de l'État vient de mettre le feu sur des armes. Et c'est un symbole fort pour tous les Tchadiens. C'est que désormais, l'arme ne doit pas circuler dans le milieu des civils. Que désormais, c'est fini les conflits intercommunautaires. Que désormais, tous les Tchadiens doivent œuvrer pour la paix, la stabilité, la quiétude et la cohabitation pacifique. C'est un symbole fort parce que le chef de l'État, quand il posait cet acte, il était accompagné de tous ses proches collaborateurs, des responsables à divers niveaux et surtout des chefs traditionnels. C'est également un message fort pour tous les Tchadiens qui suivent ces images ou qui écoutent à travers la radio, qui ici à Abéché, à l'hôtel 3 étoiles, où le chef de l'État vient de clôturer les travaux de la 4e conférence des gouverneurs. Le président de la République a appelé les Tchadiens à mettre fin au conflit intercommunautaire, à oublier l'arme. Tout civil n'a pas droit d'avoir une arme de manière illégale, et que les armes doivent quitter les maisons, les cases, les ferries, le village. Ces armes doivent être restituées et doivent être réintégrées dans les différentes casernes. Et puis voilà, c'est le message que le chef de l'État vient de lancer encore en mettant le feu sur quelques armes, symbolisant ainsi la fin des conflits intercommunautaires, la fin de la circulation des armes à feu dans le milieu des civils ou entre les mains des civils. Mais c'est également une manière de dire merci aux unités des forces de défense et de sécurité qui ont mené l'opération de désarmement avec succès. Et je répète ici,
que plus de 2000 armes de guerre ont été récupérées et plus de 7000 munitions. Voilà, tout est exposé, vous le voyez à travers les images, et ce qu'on suit à travers leur poste récepteur, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et toutes ces armes, toutes ces munitions sont exposées ici à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché où vient de prendre fin la cérémonie de clôture des travaux de la 4e conférence. Tidiane, le chef de l'État, cherche à quitter l'hôtel. نعم زميل تاج الدين، بعدما تفقد رئيس الجمهورية الأسلحة التي ضبطت من أو جردت من المواطنين، وأذكر أن عدد هذه الأسلحة أكثر من 2000 أسلحة ومن 2000 أسلحة وأكثر من 7000 ذخيرة حية ضبطت من بعض المواطنين، وهذا يشير إلى أن السلطات العليا تحاول قدر الإمكان من تجريد الأسلحة تجريد السكان من الأسلحة من أجل السلام والتعايش السلمي والتلاحم والوئام الوطني. السادة المشاهدون، ما زلنا نوافيكم بهذه التغطيات الحية من فندق 3 نجوم من مدينة أبشة، حيث اختتمت أعماله اليوم من قبل رئيس الجمهورية، وبعد قليل سيغادر رئيس الجمهورية إلى مقر إقامته بعدما اختتم أعمال المؤتمر الرابع لحكام الولايات الذي عقد من 3 وحتى 4 من شهر أكتوبر عام 2019. الزميل تاج الدين، إليك. Oui, Tidjani, vous l'avez dit, le chef de l'État cherche à quitter, mais l'hôtel, là où il vient de clôturer le travail de la 4e conférence des gouverneurs, l'acte fort qui marque encore les esprits, c'est cet acte que vient de poser le chef de l'État juste après avoir prononcé son discours. Ceux qui suivent à travers leur poste télévisaire, ils voient là ces armes que le chef de l'État vient de brûler, et symbolisant ainsi la fin des conflits intercommunautaires, mais aussi appelant ses compatriotes à œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique. L'arme est un outil dangereux. Les Tchadiens doivent oublier ceux qui aiment les armes, doivent cesser avec cet amour fou. Et cet amour qui ne donne pratiquement rien, mais c'est l'amour du prochain que le chef de l'État a recommandé à ses compatriotes cet après-midi ici à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché, où vient de s'achever le travail de la 4e conférence des gouverneurs. Une fin marquée par différents actes, résolutions, mais aussi des recommandations, de remerciements. Une note circulaire qui appelle le Tchadien à respecter le règlement de la DIAN, et que la DIAN payée par les familles ne doit en aucune manière entraver l'action publique. Et finalement, voilà cet acte fort que vient de poser le chef de l'État, qui a mis feu sur quelques armes symbolisant la fin des conflits intercommunautaires, mais aussi la fin de la circulation des armes à feu dans le milieu des civils. هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى ختام المؤتمر أعمال المؤتمر الرابع لحكام الولايات الذي أقيم بمدينة أبشة حاضرة ولاية والداي، واختتم أعمال المؤتمر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وبعد المؤتمر قام رئيس الجمهورية بتفقد بعض الأسلحة التي جردت من المواطنين وحرق بعضها رمزا للسلام والأمن والتعايش السلمي والتلاحم الوطني. مشاهدي الأفاضل، شكرا للمتابعة، شكرا جزيلا للمتابعة، والآن أربطكم باستوديوهاتنا في العاصمة أنجمينا. شكرا جزيلا على المتابعة للمرة الثانية.